Assalamu alaikum, bienvenue à cette série de vidéos dédiées aux Marocains résidents à l'étranger qui vise à sécuriser et optimiser vos achats pour le foncier au Maroc. Nous avons reçu beaucoup de vos réclamations, soit parce que beaucoup d'entre vous ont acheté des biens immobiliers à l'état final qui étaient mal achevés. Bien sûr, vu leur éloignement, il n'y avait pas leur suivi. Soit ils ont acheté des terrains agricoles dans l'indivision, en croyant qu'ils vont les construire après sous forme de villa, ce qui est bien sûr impossible. Le possible, c'est ce que je vais vous présenter maintenant, une unité de voisinage modèle en zone D. Zone D, il y a zone de villa. Qui est D1, D2, D3. La différence entre eux, c'est le minimum parcellaire. Il y en a un minimum parcellaire d'IL entre 300 et 400 mètres. Donc 300 mètres pour les villas jumelées, 400 mètres pour les villas isolées. La surface modèle, on va la prendre d'un hectare avec une voie centrale de 10 mètres. Une raquette de manœuvre aménagée en espace vert de diamètre de 20 mètres. Le reste, c'est des villas accessibles. De surface cible de 7000 mètres hectares, donc des villas, des 24 villas d'emprise sur façade de 15 mètres pour les villas jumelées en trois façades. Le montage financier de cette opération modèle, on a la première ligne, l'appropriation du terrain, donc un terrain de 700 dirhams pour un hectare, qui est 17 millions, qui doit aller à le prix des notariales ou d'enregistrement et d'autres charges, 725 000 dirhams. Les honoraires des études d'architecture, bureau d'études, 300 000. La verre des espaces verts, donc les travaux d'exécution, c'est les 2 millions 165 000 dirhams. Les taxes et redevances aux intervenants pour l'autorisation à la somme la commune, c'est 1 million 200. Les frais d'éclatement titre, y compris honoraires de topographe, 735 000. Pour un total de 12 123 000 avec un prix hypothèse de la vente de 3 000 dirhams, c'est une taxe de 3 590 000 taxes sur le revenu. Donc le prix de revient, c'est 1 732 000 par mètre carré cessible, ou le prix de revient TTC, c'est 2 245 000 dirhams par mètre. Le prix de revient, donc, il varie d'une ville à l'autre. La variation du prix du terrain brut. On a un tableau qui bine les variations. Et le prix du lot villa équipé, les 15 sorts, les promoteurs. Donc, on a les marges. Bien sûr, qu'il y a des villes qui font les marges kubars. Le terrain, mais si c'est le salaire, il y a le Tanja ou le Tarbeda. Ou d'autres villes, les la marge de l'homme ou les terrain moujoud, l'offre kaina. Ces marges comprennent une charge fiscale entre 300 et 600 dirhams. Vous pouvez l'optimiser si vous réalisez l'opération pour vous-même en s'organisant sous forme d'association. Si vous êtes intéressé, il y a un formulaire au descriptif pour faire le contact de l'association de la ville de votre choix.